matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 19 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin. Acceptez avec tranquillité de ne pas être parfait. D'ailleurs, dans certaines circonstances, un défaut peut devenir un atout. Voilà la petite philosophie de ce matin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai piché l'ange du lâcher-prise. Ah, ça, c'est pas facile. Hein. On en parle souvent dans mes capsules. Le détachement, le soulagement. Évidemment, quand on abandonne, on a un soulagement. Quand on fait un lâcher-prise, on a un soulagement. Pourquoi on vous demande de faire un lâcher-prise? Qu'est-ce qu'un lâcher-prise? Eh bien, pour moi, un lâcher-prise, c'est lorsqu'on a parcouru tout ce qu'on pouvait parcourir et que rien ne change. On ne sait plus rien faire. Donc là, voilà, il faut abandonner. Il faut faire un lâcher-prise et se détacher. Écoute la douce mélodie de ma fontaine angélique et laisse couler librement en toi l'énergie bienfaisante du lâcher-prise. Qu'est-ce que vous devez lâcher présentement? Sur quoi devez-vous faire un lâcher-prise présentement? Soyez bien à l'aise pour prendre, eh bien, cette guidance. Ne retiens pas ce qui appartient au passé et ne ressasse pas les expériences douloureuses qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui. Alors pourquoi permettre encore et encore et encore aux événements malheureux de rejouer dans ton moment présent? Pourquoi? Pourquoi tu le permets? Ne laisse pas stagner en toi, eh bien, ces souffrances du passé. Elles ne font que t'alourdir et contraindre ton âme à la rigidité. Elles te font souffrir. Pourquoi le permets-tu? Permets-leur de remonter à la surface. Regarde-les bien en face. Et puis, détache-les. Détache-les de ton âme et abandonne-les. Abandonne-les dans l'eau divine du lâcher-prise. Arrête de retenir ce qui n'a plus besoin d'être. Arrête de retenir ce qui te fait du mal. Lorsque tu lâches prise, eh bien, c'est à ce moment-là que tu te libères des énergies négatives et tu deviens ainsi disponible pour recevoir tout ce qui est nouveau, la nouveauté. Tu accueilles davantage, eh bien, cette énergie divine, cette énergie cosmique et terrestre qui t'est disponible. Parce que tant que tu ne fais pas ce lâcher prise, rien n'est disponible. Accueille ce magnifique et incommensurable réservoir de possibilités de vie et d'amour. Donc il est temps pour toi de faire un lâcher prise, que ça soit
au niveau professionnel, sentimental, au niveau familial, au niveau personnel, privé. Aujourd'hui, on t'invite à faire un lâcher-prise. Tant que tu n'auras pas fait ce lâcher-prise, tu ne pourras pas avancer, tu n'avanceras pas. Parce que tu mets toute ton énergie là, sur la situation qui n'a plus besoin d'être, mais que toi, dans le fond de toi, tu espères encore. Mais dans le tout fond de toi, tu sais que la meilleure solution est de faire ce lâcher-prise. C'est derrière toi. Ça ne te fait pas avancer, ça te fait du mal à ton petit cœur. Donc aujourd'hui, eh bien, prends la décision de faire ce lâcher-prise et demande à ce bel ange de t'aider, d'abandonner ce qui n'a plus besoin d'être, pour que tu puisses avoir un soulagement. Très très beau message, n'est-ce pas? Je termine avec l'affirmation positive. Eh bien, mes actions me mènent vers l'abondance et la prospérité. Ton action aujourd'hui, c'est quoi? Le lâcher prise. Mes actions me mènent vers l'abondance et la prospérité. Mes actions me mènent vers l'abondance et la prospérité. Premier pas que tu vas faire aujourd'hui, lâcher prise, faire ce travail-là. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup plus léger. Je te souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, porte-toi bien. Et moi, je t'embrasse et je te dis à demain.